Option d'accessibilité.
Je suis encore à l'école, mais je pourrais... Quelques toiles d'araignée et de la poussière. J'ai hâte d'aller à Préolard. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Je suis encore à l'école, mais j'ai hâte d'aller à Préolard. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Oh Eléazar ! George, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, je... Non, n'en parlons pas ici, Eléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierre. Avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrok. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... sérieuse.
Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment ? Elle m'a écrit au sujet de Ranrok avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrok. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Non. Bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Que s'est-il passé ? Pauvre George. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur, où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi. Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmenés ? Plus loin de l'ombre que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines. Vous pensez que le porte au loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte au loin qui nous a menés ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne ? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps.
château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. N'attendez pas à ce que ce soit aussi raide. Nous y sommes presque, c'est un peu plus loin. Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-au-loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Professeur, cette statue... Il devait sans doute vivre ici. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin ? C'est quoi, ça ? Professeur Fig ! Comme c'est étrange.
Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte-loin. Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Y a quelqu'un? La banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte-loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Et gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Du coffre. Coffre 12. Et quelle journée. Bon, allez-y. Nous y sommes.
Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur ? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio, peut-être. Révélio ? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-au-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos ! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves ? Qu'entendez-vous par là ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre. Lumos ! Que s'est-il passé ? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Révélio !
J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Lumos, bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Professeur ? Professeur Fig ? Lumos. Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe ? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Revelio. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Revelio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici.
Lumos. Voilà. Comment avez-vous ? Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons aussi. Tout est en place. Le porte-long est caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui. Et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur ? Celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Il m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas, mais monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrok. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas...
je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Mais où sommes-nous ? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrok. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons.
Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet... Les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc ? Une loyauté à toute épreuve. Je suis un véritable ami. Et j'apprécie ce trait chez les autres. Vous n'abandonnez pas facilement. Les défis qui vous attendent ne vous impressionnent pas. Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir, non? Vous seriez peut-être à l'aise à Poufsouffle. Vous serez donc chez Poufsouffle. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit... Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ce sera peut-être difficile, mais je suis sûre que vous en avez vu d'autres. En effet, professeur. Bon, nous voilà à l'entrée de la salle commune de Poufsouffle. C'est donc ça l'entrée ? Exact. Je vais vous expliquer quoi faire, mais je ne le ferai pas moi-même, parce que la moindre erreur entraîne une projection de vinaigre. Je n'y tiens pas. Il faut tapoter ce tonneau, le deuxième en partant du bas, au milieu de la deuxième rangée, au rythme de Helga Poufsouffle. Très bien. Maintenant, allez donc vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien.
tout le monde est déjà parti? Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Revelio. Salut. Elle est majestueuse, n'est-ce pas? C'est ton hibou? J'ignore à qui elle est. Probablement à un de ses poufs souffles. Après tout, les hiboux choisissent qui ils fréquentent. Attends, tu es le nouvel élève de cinquième année? Ton arrivée était spectaculaire. J'imagine que tu ne tiens pas à attirer l'attention sur toi. Surtout que tout le monde va vouloir savoir où tu en es dans tes études. Ah, je m'inquiète un peu. J'ai beaucoup de choses à rattraper. C'est vrai. 4 ans d'études, ça fait vraiment beaucoup. Si j'avais autant de retard, je me sentirais incompétente. Bien sûr, tu dois savoir travailler dur comme tous les poufs-souffles. Tu feras très vite tes preuves. Je travaille dur aussi, comme tu t'en doutes. Mais parfois, je me dis que je devrais être une serre d'aigle. J'ai l'esprit très vif. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Je m'appelle Lenora, au fait. Lenora Everly. Bon, je ne te retiens pas. Tu dois avoir beaucoup à faire. C'était un plaisir, Lenora. Bien sûr. Au plaisir. Arthur, te tiens. Ça va aller. J'arrive pas à l'atteindre. Venez, il est parti par là. J'espère qu'ils pourront l'attraper. C'est un grand château, un élève peut s'y perdre, alors imagine un chat. Mais je suis sûr que toi, tu trouveras vite tes marques. Cela peut paraître un peu écrasant au début. Moi-même, je m'y perds encore, parfois. En fait, bienvenue à Pouf Souffle. Je suis vraiment content de t'avoir dans notre maison. Je m'appelle Arthur. Merci, c'est un plaisir de faire ta connaissance. C'était ton chat ? Non, il appartient à un élève de première année, je crois. Je n'ai pas d'animal de compagnie, malheureusement. Ma mère ne les aime pas. Surtout ceux qui sont magiques. Désolé de l'apprendre. Moi, je trouve les créatures magiques incroyables. C'est pour ça que j'ai été content d'arriver à Poudlard. Les nifleurs, les gringe-bourdons, les beaux trucs. Je croyais qu'ils n'existaient que dans les livres. Enfin, un jour, mon père a ramené un boursouf à la maison. Ma mère était furieuse. Bref, je devrais aller m'assurer que les premières années ont attrapé ce chat. Je ne veux pas qu'ils soient en retard pour leur premier jour. C'est un plaisir de te connaître, Arthur. Bonne chance pour trouver ce chat. Merci. Essaie de ne pas te perdre dans le château non plus. Oh, mon oncle, je ne vous reconnais pas. Quelque chose ne va pas. Oh, bonjour. Je viens d'entrer à Poufsouffle, non? Je suis Adélaïde, ravie de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Tout va bien? Oh, oui, mais j'ai la tête ailleurs, à cause d'une lettre de mon oncle. Sinon, dis-moi, j'ai entendu toutes sortes de rumeurs. Tu as vraiment failli te faire dévorer par un dragon? Ne le prends pas mal, mais je préférerais oublier cette histoire. Oh, ça a dû être horrible. Enfin, c'est évident. Je suis sûre que j'aurais été terrifiée à ta place. Désolée. Bref, je suppose que tu as beaucoup à faire. J'espère que tu passeras une excellente journée. Merci, Adélaïde. À une prochaine fois. Au revoir. Et bonne chance. La dernière recrue du Pouf Souffle est-elle enfin levée ? Le professeur Weasley voudrait lui dire 2 mots dans la salle commune.
Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Par ici. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Réveillon. Je voulais avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Lancez simplement Réveillon dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Réveillon. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central.
nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement par le chapeau. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre après au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Vous avez mentionné Préolar, professeur. Préolar est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolar. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûr, nombre de bières au beurre avec vos amis. Que vais-je apprendre en cours de sortilège ? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices. Tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronan. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal ? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hecat pour enseigner cette matière à nos élèves. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragons. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites ? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien. Assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi. Puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolar faire quelques emplettes. Revelio. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines ?
avec le professeur Weasley ? Je n'ai pas osé mentir. Mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures après Olar, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Rebellion. 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 La dernière fois que j'oublie de noter l'une de mes idées de potion. Rebellion.
Revelio. Qu'est-ce que vous mijotez ? Un peu de mort. Revelio. Je me suis dit que vous aimeriez le savoir. Revelio. Revelio. Revelio.
Revelio. Revelio. Revelio. Quoi, c'est tout? Bombarde! Mais Yonso! Professeur Ikat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso ? Un sortilège de lévitation ? Levioso ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, Monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli, comme M. Prouette nous l'a si joliment démontré. Levioso. Bien. À présent, bravo. C'est très bien, mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Ça devrait être... Protego. Levioso.
Les vieux sont. Alors, se sent plus Rodrigo. Les vieux sont. Les enfants. Je sais. Quelle perspective! Levioso! Souvenez-vous, Levioso est efficace quand il est en Les duels amusés sont passionnants. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup? Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Pouf Souffle. Merci, professeur Hecat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien, le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. Et pas l'inverse. Je n'aimerais pas affronter le professeur Hecat en duel. Je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus pacifiques. Tu as combattu Sébastien en duel. Il est très doué. Bien joué. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Revelio.
Revelio. Revelio. Quel plaisir de vous revoir. Revelio. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Certains d'entre nous n'ont pas forcément envie qu'il revienne à la leçon. C'est alors que les loups-garous ont rejoint les gobelins dans leur révolte. Lors de la révolte des gobelins ? Où étiez-vous ? Finalement, c'est Albert Boot qui est devenu ministre de la magie. Non, c'est faux. Oh, je reste avec vous. C'est si amusant. Je veux encourager le garçon qui affirme que tu... Ce n'est pas un mensonge, Peeves. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Natty. C'est donc toi, le nouvel élève ? Tu as déjà rencontré le professeur Ronel ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non, personne ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Action. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonaille. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Ah,
J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Hein? Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez cela comme des bave-boules, par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère autant que possible, mais pas plus, ou elle tombera. D'accord? Je pourrais continuer à parler théorie. Mais rien. Superbe! Ne vous déconcentrez pas. Très bien, des points pour Poupsouffle. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onai, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous aurez les bleus comme tout à l'heure, Mademoiselle Onai, vous serez rouge, compris? Compris. Excellent. Regarde bien. Rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Voyons voir. Parti.
impressionnant. Bravo à vous deux. Beau travail. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Est-ce que Ouagadou est un château, comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'en utilise à Ouagadou. Tu peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr. Il est possible d'utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, il faut... Quand mon frère m'a appris le sortilège d'attraction, c'est... Je peux vous parler un instant ? Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Vous avez surpassé Miss Onai. Une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Revelio. Le professeur Ronan me rappelle mon grand-père. Une grande sagesse, mais un petit grain de folie. Bonjour, c'est bien toi qui viens d'arriver. Bonjour, tu voulais me parler ? Samantha Dale,
J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Oh, tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronan. Revelio. Revelio. Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider.
Excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolar dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales, là-bas. Je n'ai jamais entendu parler des créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Ollivander est présent à Préolar ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. J'ai hâte d'aller à Préolar. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés, en particulier son bras droit, Théophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Thank you.
Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres, le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Réparo ? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je vais commencer tout de suite, professeur. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Réveillio ! Ah ! Oh non, pas encore ! Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine ! Et Gros Carpé a voulu m'arrêter. Réveillon. Laissez notre musique. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. Réveillio. Je peux t'aider ? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de Joute Magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne.
C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant ! Que le feu d'artifice commence ! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Revelio. Nous allons s'arrêter sur cette première journée à Poudlard. Et la prochaine stream sera demain matin et on ira sûrement après Préolard. On aura appris le sort réparo. On apprendra le sort réparo demain. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à demain.